Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On continue l'aventure du jeu. Chernobylite, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Monsieur le gars, vous êtes prêts? Alors c'est quoi le putain de plan, mec? Hey, tiens, l'homme qui a vu l'ours, qu'est-ce que... Comment ça va, mec? L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Comment on dit? Mais peux-tu vraiment faire confiance en traits, Igor? La confiance est une chose fragile, difficile à gagner, mais tellement simple à perdre. Mais tu n'as jamais cessé de me faire confiance, n'est-ce pas, mon amour? Super, mais regardez, là, tu fais des sauts. Bonne question. Là, je commence juste, mais à date, dans les autres, je pense que j'imagine que oui, une fois ou deux. Je suis pas certain. On est jour 7. Je pense qu'on était jour 5. J'ai deux connes comme ça, puis j'ai celui-là. J'ai moins... Ok, c'est l'armure, ça. Je l'ai mêlé. Ouais, faudrait que je l'upgrade, hein. Bonne idée. C'est quoi ce petit saut-là? Coucou Caribou, c'est quoi? Hey Gwen, la femme de ma vie, comment ça va? Ça fait une semaine que je joue, ça s'appelle Chernobylite. J'ai reçu ça il y a un... Hey, mais mon micro là, il marche bizarre, mes écouteurs. Je vais le brancher pour voir. Toi, tu tapes, Toby.
coupé. Qu'est-ce que tu penses que j'essaie de faire, Boutris? Coupé, coupé, c'est coupé, Bob! Coupé, coupé, tu vois bien qu'il est pour couper ce petit sans dessin. Coupé, j'ai dit coupé pour la caméra, merde. Coupé pour la caméra, pour qui tu penses que j'essaie de la couper? Coupé, coupé, c'est ça, bordel? Wow, wow! Un esti de français qui va me montrer à couper du doigt, mon colis. Tu compris, hein? Un esti de français qui va me montrer à couper du bois. Hey, le volume, j'ai de la misère avec. J'ai de la misère avec mes écouteurs, là, ils grinchent. Bon, ils sont revenus. Chris. Patrolling Pripyat almost makes you wish you were someplace else. En deux. Coucou, salut, mais salut Jess. Il y a une série sur le jeu, me semble. Ben, sinon, ça n'a pas rapport avec un jeu d'horreur. Là. Mais il y a une série Tchernobyl, ouais, je l'ai écouté il n'y a pas longtemps. Hein. Je le vois pas. Ok, il y en a en face là. L'autre est là. Shit, l'eau m'a vu en arrière.
Allez, tourne-toi. Quoi qui reste là? Bouge! Where the fuck did he go? I thought he was right here. Qu'est-ce qui m'a fait peur, toi? I should have brought that goddamn power bar. I'm starving. Le gars a disparu ou quoi? Bon. Comment il meurt, on dirait un vieux drama hindou. J'ai même pas compris ce que t'as dit. Il a 125 ans. Je pense que t'exagères, pas certaine. Chris, mets pas dans l'arbre, cache-toi dans... J'ai rien pour le moral, shit. Rémi Callis. La police vient de violente. Il y a 80 ans. En quel honneur, selon toi? Ah, c'est en 3. Police! Rémi, tabarnak, qu'est-ce que tu fais?
là il m'aura pas là. Et moi, tu bats? Il a mis la Porsche au nom de sa femme. Malheureusement, elle s'en allait avec la Porsche. Il a essayé de briser la fenêtre de la Porsche avec une brique. Il a mis un camion derrière la Porsche pour la bloquer. Au début, c'était drôle, là, la police n'a pas niaisé. Non, t'es con! T'es vraiment con! Hein, pourquoi t'avais pas le gun dans ta main? Oh, va-t'en te faire tuer de même, là. T'as une balle! Hey, ça joue pas bien, là. Petite calice. Pas là, pas là! Bon. Tabarnak, c'est de la merde. Bon, je suis dans la marde, là.
Chris, c'est pas ça que je voulais faire. Gaspillage, de merde. Bon, mieux que rien. Je comprends, surtout si tu le connais un peu. Look sharp, this asshole's gotta be around here somewhere. Eyes open. I don't need any more shit from Kozlov. I know, damn Saint-Michel's. Nothing but thieves, drifters, and lunatics. Why lunatics? What sane person would choose to live in this irradiated wilderness? We asked them nicely to leave, yet they're still fucking resisting. Hey, you're right. I wouldn't be here either, but they pay better than the army. They must be looking for our mystery guy. Okay, so some more stuff. Hey, me fais pas mal, je suis parmi. Les mains en évidence, ça doit être toi, le traître que tout le monde rêve d'en attraper. Quoi? Où est-ce que tu t'en dis ça? Je suis pas un traître, j'ai jamais été dans le rang du Nord. Tu vas devoir être bien plus convaincant que ça. Ces types sont vraiment déterminés à te trouver. On parle de toi sur tous les canaux de radio. Ok, je faisais affaire avec un soldat. De temps en temps avant. Mais ces imbéciles n'avaient pas l'air de connaître les bases du commerce. Ils ont essayé de m'arnaquer. Et quoi? Une chose entraînant une autre, je leur ai pris deux ou trois trucs histoire de compenser le temps. Évidemment, ils ne voulaient pas leur petite arnaque arriver aux oreilles du gros bonnet. Alors, ils ont inventé une histoire de traître. Intéressant. Ouais, mais c'est loin d'être aussi intéressant que toi, mon ami. Tu es nouveau dans la zone, pas vrai? Tu loges dans les entrepôts de Mecha et je me demande ce que tu fabriques. Comment tu sais ça? Je dois y aller maintenant. Ils sont probablement en train de me chercher. C'est qui, il? Désolé, je peux pas te le dire maintenant. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Je ne crois pas, non. On n'a aucune idée de qui est ce type, Igor. Si on laisse partir, ils pourraient très bien se précipiter aux portes du Nord et implorer leur pardon en échange de nos vies. Et t'imagines même pas qu'on va le laisser s'échapper. Du moins pas avant d'avoir fouillé ses affaires. Désolé, mais ton histoire ne me plaît pas. Pourquoi me dis-tu pas qui es-tu réellement et en tant qu'on y est? Je vais en profiter pour jeter un coup d'œil dans ça. Mon tâté ne te regarde pas. Il est hors de question que je te demande quoi que ce soit. Bon, fiche le cantier avant que je change d'avis. Et si je t'attrape en train de rôder autour de mon entrepôt, je te préviens, je serai la dernière personne que tu verras. Monsieur.
Un vieux riche seul. Ben là, profite-en. Sugar mommy, sugar daddy. Tu le sens donné à l'opération Cobb, ça ne saurait probablement jamais qui il était vraiment. Échange pour échange, camarade Markelov, avec tout le respect que je vous fais appeler à vous au nom de l'un de vos agents du terrain. Non, le code agent Splinter, c'est un bon communiste et un fantastique agent de surveillance qui a récemment été jugé inapte au service en raison d'un échec aux évaluations psychologiques. Camarade Markelov, l'agent Splinter a été trié sur le volet par un soin durant ses études à l'école polytechnique de la Leningrad. Et je peux me porter garant de son intégrité et son utilité dans les opérations actuelles de notre département. Bien que j'apprécie le travail et la contribution du Dr Brouhanov, notre psychiatre, je ressens le besoin d'insister sur l'urgence de nos missions actuelles qui annoncent. Notre avis psychiatrique ressent le besoin d'assister sur l'urgence à nos missions actuelles, qui, à mon avis, redent des considérations secondaires. Par conséquent, je souhaite vous demander de soutenir ma demande de réintégration de service de l'agent Splinter afin qu'il puisse poursuivre son travail à Priyat. Malgré quelques difficultés personnelles mineures, l'agent Splinter reste l'un de nos meilleurs agents de terrain et j'ai besoin de sa précieuse contribution pour protéger le nouveau projet du gars. Avec tout son respect, mon respect, camarade, mon père Volovia vous transmet toute son affection et vous demande de nous joindre à lui pour la prochaine réunion dans l'ancien combattant. Surtout que ça peut être un peu... T'as pas honte. De quoi tu parles? Bienvenue, Shanghai Sally. Qu'est-ce qui se passe par là? Les radiations sont hautes. Fuck ça. Ça sent le monstre.
Oh, c'est là. Quelqu'un me prend pour une sage. Ouais, je commence à croire. Elle est où, Gwen? Une porte, c'est à quelque part, là. Je le trouve pas. C'est un de ces deux endroits-là, mais... J'arrive pas. L'argent fait le bonheur. L'argent... Pensant quel genre d'expérience le KGB a bien mené, est-ce que les NAR essaient de continuer leur travail? Manuel de terrain, 21 janvier 1999. Le poids du sujet, son âge et son état général doivent être pris en compte avant l'administration des injections. Délai minimum du maximum entre la première injection et la dose de radiation, 2 à 6 heures. Les sujets doivent rester lucides afin de pouvoir surveiller toutes les réactions, faire usage d'adrénaline nécessaire. Toutes les phases, de la phase initiale, de la phase... M34 doivent être administrés conformément au manuel de terrain 34B seulement après une réponse positive du sujet. Débit dose estimé au sujet d'exclamation, on s'en fout. T'es qui toi? Je vais te péter la cerise. Et pourquoi t'es là, toi, là? Pourquoi tu restes là? Laisse-moi patience. This is not going to end well for you. Nuclear nano diamond battery level low.
Il a pas l'air mince. Ouais, il fait le... Il est bien. Non, je l'ai eu, j'ai demandé. J'ai fait une demande. Pas besoin de mourir. Putain. Et fini en plus. Bien sûr, finalement, il reste en toi maintenant. On sait qu'est-ce que tu n'as pas avec toi. Tu n'as aucune envie de savoir ce qu'ils t'ont prévu pour toi, mon amour. Tu dois trouver un moyen de t'échapper vite. Je l'avais, tabarnak, là. J'étais faire une affaire que j'avais pas besoin de faire. Tuer quelqu'un inutile. Oh, my head. Ma tête, c'est inoubliable. Est-ce que je suis... Where the hell am I? Où suis-je? Je dois trouver mon générateur de portail. T'es attaché ou quoi? Oh non. Vous pouvez vous aller des prisons, vous avez récupéré bien du privé. Tout mon stuff a disparu. Vous devez récupérer bien en privé d'armes. Vous n'êtes pas complètement sans défense. Vous pouvez toujours appuyer sur pour passer en mode construction et produire des pièces. Rechercher les équipements dans la prison. Ok, mon équipement à quelque part.
Tabarnak. Oh, je l'ai eu. Bon. Salut 81 Vince, what's up? Tout mon équipement. Ouf! Faut que je m'en vais d'ici. Ils font bien de regretter. Ils vont bien regretter plus tard. Ah, tu parles des enfants. Je pensais que tu parles du jeu. Mission réussie. Bon, good. Échec. Calice, puis Mikaï. Les deux, êtes-vous en... E
Igor, for fuck's sake, man. Il a abandonné de merde, mais ça fait mal de chien, il me faut un kit de soins. You have a med kit? Igor, for fuck's sake, man! It hurts bad! I need a med kit! Compris, hein? Ah, ça marche pas que j'ai fait que... Il est où l'autre, là? Pas de la balle. I'm wounded, Igor. Appreciate it. I feel better already. Hey, mais c'est quoi toi, tabarnak? Tu files pas de main? Igor, for fuck's sake, man! It hurts bad! I need a med... Un kit de soins, je peux pas m'en faire des kits de... Il est où l'autre, lui, là? Il est plus là, il est parti. Je vais poser une question. Ah, c'est ici. Tiens. Oh, si je l'avais presque. Ah, si j'aurais pas. Mal de chien, man. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas t'en faire de kit de... Fucking kit de soins. Par jour, tabarnak.
Je peux pas t'en faire, c'ti. Bon. Tu mieux la qualité de l'air. Igor, for fuck's sake, man! It hurts bad! I need a med kit! Ouais, mais j'en ai pas. J'en chie pas! Ah, la qualité de l'air est bonne. J'aurais peut-être pas dû en faire autant, par exemple. What's going on, Igor? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Votre base est extrêmement inconfortable. Il est possible de se reposer. Bon. J'ai pas assez. Ah. J'avais assez, mais j'ai plus de pièces. Je me demande si j'enlève une affaire, si je perds du matériel. Ok, d'en faire un, c'est combien? C'est 8, 4, 4. 4, 2, 2, 6 bois, ok? C'est à moitié. Bon, mais ça va être ça. Je t'en ferai un demain, man, si tu passes libre. C'est pour des herbes. Je peux pas y en chier des astuces d'affaires médicaux. J'en ai pas. Si je le démonte, ça me donne plus 3. Ah, ça fait de la nourriture, ça. Je pourrais l'enlever. Ouais, je suis bien de l'enlever. J'ai fait un kit de soins. Tiens. Man, it hurts bad. I need a med kit.
Bien. C'est beaucoup mieux. Piouf. Merci, mon pote. Bien. Content, là? Fesse dans la face. Mikkel, you've been around. C'est pas mal vadrouillé. Tu devrais apprendre quelques trucs pour survivre dans la zone. Ah oui, tu peux l'apprendre. Hey. Combien de points j'ai? L'instinct de survie, capacité, camp point. Ah, j'en ai 3. Vous avez 10% de chance de trouver de la nourriture supplémentaire. Perfect. Let's do it. On va faire ça. What are we doing again? Qu'est-ce qu'on fait déjà? Ah ouais, ça y est. Je vais t'apprendre à trouver des provisions. C'est vraiment important pour un stalker de savoir reconnaître tous les différents types d'herbes, ok? Il va aussi falloir que tu apprennes à repérer des trucs utiles, genre l'électronique ou les pièces d'outils. Parce que ça, c'est méga important, putain. Tu peux les utiliser pour construire des trucs. Mais pour ça, il faut être rapide. Tu n'as pas juste à être promené à droite et à gauche, comme des abrutis, sinon tu risques de te faire prendre. C'est pour ça que je vais te faire un petit exercice chronométré. Je te file 60 secondes pour récupérer des trucs utiles. Et je me bats. Two. Go. Tick tock, Igor. You got 40 seconds left. Chris. Torse-toi des chemins, maudite face LED. Time is of the essence. 20 seconds left. C'est fini alors, bon, au public, ce que t'as dégoté. Pas mal pour un intello d'une autre époque, pas mal du tout. C'est tout pour cette leçon, Igor. Bon, j'ai réussi, au moins. Bien joué, c'est cool de voir que ton gros cerveau t'empêche pas de faire des sales conneries. The fuck you want, ouais. Mikkel, you've been around. Perhaps a fuck gathering and prepare. 2 points pour l'instinct de survie. Perfect. Let's do it. Listen closely and don't interrupt. Écoute attentivement et n'interromps pas de m'interrompre. Je vais t'aider à aiguiser ton instinct de survie. T'as qu'à faire comme si ta vie en dépendait. En fait, oublie ça. Prends cette merde au sérieux, compris? Très bien, alors. Tu sais déjà comment chercher des herbes et des champignons, hein? Mais ce que tu sais pas, c'est que la plupart des racines peuvent aussi se manger si la plante n'est pas pourrie et que tu l'arraches comme il faut. T'as la bonne chance d'obtenir de la nourriture gratos. C'est pas mortel, ça? Donc, plus tu ramasses de plantes, plus tu as des chances de trouver quelque chose de comestible. Vas-y, essaie maintenant. T'as 60 secondes pour trouver autant d'herbes médicales et de champignons que possible. Ready? Set. Go! Professor, run!
10 seconds left! Time's up! Come back, Igor! Let's see how you did! J'espère que je l'ai. It's okay. C'est pas mal, j'imagine. Je pense que tu seras certainement. Peut-être. Enfin, peut-être. Anyways, that's it for now. Enfin, bref, on a fini pour l'instant. Bon, on l'a eu comme ça. De l'avantage appris. Bon. Ouais, mais genre, je peux pas en chier. Faut que je ferais un sofa, des choses comme ça. Tu sais, j'ai mis une télé, une radio, une table, des chaises, un lit. Le refuge matin. Non, c'était tout. Pour le jeu Chernobylite. Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!